Salam alaikum Azulf Laoun, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'insuffisance rénale. Avec moi sur le plateau, mon ami et collaborateur, Mohamed, bien connu à Al-Maghribiya, donc il n'est plus à présenter en fait. Mohamed Joudi. Donc, les gens souffrant de maladies rénales, au stade final de l'insuffisance rénale, c'est-à-dire dont les reins ne fonctionnent plus et qui ont besoin d'être hémodialysés, vivent pour la plupart un calvaire au quotidien en Algérie, comme l'a titré Al-Watan. Ils sont environ 20 000. Dans cet excellent article d'Al-Watan que nous allons vous présenter, qui fait parler un malade, entre autres, Hassan, que nous n'avons pas pu joindre malheureusement, pour le faire parler, pour le faire témoigner, nous découvrons l'horreur que vivent ces malades, mal soignés dans un système où la cooptation et le piston sont encore plus présents qu'ailleurs. Ils sont souvent les otages de cliniques privées. L'État s'est littéralement désengagé, laissant ses proies, pour les nommer ainsi, à certains profiteurs aux dents longues qui se comportent comme un terrain conquis où la clientèle n'a pas d'autre choix que de se taire et de subir. Diminution du temps de dialyse et du temps de désinfection, absence de néphrologue et du médecin durant le premier branchement et du dernier débranchement, obligation pour le patient de régler la confection de la fistule et de la pose du cathéter, etc. Voici ce que raconte un témoin à la journaliste d'Al-Watan. Un autre témoin dira à la journaliste que s'il avait refusé de lui parler ouvertement devant tout le monde, c'est qu'il avait peur des représailles. Vous imaginez? On croit rêver. C'est quoi ça? Des gens atteints de maladies particulièrement invalidantes, qui sont traités avec la dernière des négligences, qui sont livrés pieds et poings liés à des privés qui ont poussé comme des champignons, et comblent du cynisme ceux qui sont censés les soigner et leur apporter du réconfort, les terrorisent au point qu'ils aient peur de parler devant eux. C'est tout simplement incroyable. Le même témoin déclare à la journaliste que les patients ont souvent affaire à des infirmiers brutaux qui les traitent comme des infra-humains. L'alarme que lance cet article de Al-Watan est à prendre très au sérieux. Les patients qui n'ont pas d'autre choix que de se rendre dans ces cliniques, visiblement insuffisantes et dont les prestations sont vraisemblablement particulièrement révoltantes, ont besoin d'aide. Les pouvoirs publics et cette société civile qui n'existe que pour brasser du vent seraient bien inspirés d'aller voir ce qui se passe dans ces milieux sordides, censés prodiguer des soins à des grands malades, et qui les maltraitent, qui les bricolent, si je peux me permettre le terme. Le pire est que les donneurs de reins sont très rares en Algérie, particulièrement insuffisants. Les malades en attente de greffe ont très peu de chances de pouvoir enfin bénéficier de ce don qui changerait leur vie et qui en ferait des gens normaux. Rappelons que les cas d'insuffisance rénale sont en constante évolution. D'une manière générale, tous les malades rénaux chroniques à tous les stades de la maladie dépassent les 2 millions. Ils sont tous susceptibles d'atteindre ce stade tant redouté de l'insuffisance rénale chronique terminale traitée, mort rénale. Aujourd'hui, Al-Watan, nous allons voir donc Al-Watan, Mariam Sadat, le professeur Tahar Rayan, chef du service de néphrologie au CHU de Parné et chef de projet de l'Institut National du Rhin, entre guillemets, 9 insuffisants rénaux sur la liste d'attente en Algérie. Encore Al-Watan, de la même journaliste, Mariam Sadat, insuffisance rénale en Algérie, le calvaire au quotidien. Et la tribune, voilà, un rein de rien, avec nous pour nous expliquer des aspects, les divers aspects de cette terrible affection, notre collègue donc Mohamed Joudi. Mohamed, d'abord, qu'est-ce que le rein? Qu'est-ce que le rein? Le rein est d'importance très grande, il faut souligner ça et en même temps c'est un organe essentiel à la vie. Le rein, il est impliqué directement dans plusieurs systèmes de l'organisme
Elle régule le métabolisme de l'eau, les sels minéraux tels que le calcium, le phosphore, le potassium, tout ça. Et en même temps, elle sécrète quelques hormones, la vitamine D, l'érythropoïétine, qui est impliquée directement dans la production, la stimulation des globules rouges du système hématologique. Et en même temps, c'est un organe très complexe. Comme on a dit, l'impliquer directement avec tous les systèmes de notre organisme. Donc, est-ce qu'il faut souligner que le rein est un organisme très, très important? Et quelles sont les maladies qui l'affectent en particulier? La maladie, on parle d'insuffisance rénale. On a deux stades. On a une insuffisance rénale aiguë. Oui. Aiguë, elle est soudaine, elle vient directement parce que elle peut être provoquée par des infections, elle peut être provoquée par d'autres facteurs de risque qui sont des maladies polycystiques aux maladies kystiques du rein. Il y a des trucs de malformation de l'urètre ou de la vessie. Il y a de la médication, par exemple, dans le domaine radiologique. Quand on soigne thérapeutiquement radiothérapie, il y a l'iode qui peut affecter négativement la fonction des reins. Il y a des médicaments, les drogues à long terme, l'alcoolisme à long terme, le tabagisme à long terme. Donc, il y a, comment dirais-je, on a dit la maladie aiguë, mais la maladie chronique, elle est silencieuse et elle s'installe progressivement, elle est évolutive. Elle est due à l'hypertension artérielle qui va détruire le fonctionnement des petits vaisseaux au niveau du rein. Et en même temps, il y a le diabétique, le diabète type 1 et 2. L'évolution, si le sucre n'est pas bien contrôlé, donc on a cette complication de la fonction du rein. Donc on a dit que la chronicité, elle vient évolutive et en même temps silencieuse. Tant que l'hypertension artérielle n'est pas bien contrôlée et le diabète n'est pas bien contrôlé, l'insuffisance rénale est évolue et peut devenir dramatique. Est-ce qu'il y a des causes qui accélèrent ce processus, enfin qui provoquent ces insuffisances rénales et qui les compliquent? Bien sûr, il y a des causes. Quand on parle de maladies chroniques, si le traitement n'est pas bien respecté et en même temps il y a un régime qui n'est pas respecté, parce que quand on arrive à un stade, il dépend des stades aussi, il faut suivre le spécialiste, le traitement, la conduite à tenir devant ce stade, il dépend. Parce que quand on arrive à un stade de moins 10% de la fonction du rein, là vient la gravité. Donc, à un certain stade, il faut bien respecter afin de ne pas progresser. Donc, on a cité des facteurs, le facteur du sucre, le facteur de l'hypertension artérielle qui doit être bien contrôlé et en même temps un régime restreint prescrit par le spécialiste. Et en même temps, cette maladie, afin de ne pas être évoluer. Le médecin aussi, il faut suivre ses conseils concernant les liquides qu'il faut boire parce que certains patients atteints de cette maladie, des fois, le médecin préconise de ne pas dépasser 1,5 de litre de l'eau. Il faut éviter les boissons gazeuses. Il faut éviter les bananes et chocolats dans le domaine du potassium parce qu'il y a beaucoup de potassium dans le chocolat, même temps à la banane. Oui. Je reviens à toi dans un moment, Mohamed. Nous allons accueillir le docteur néphrologue Mesoud Ouziana. Docteur, merci de nous avoir rejoints. Alaykoum Merci salam. de m'avoir appelé. Merci, c'est un plaisir. Vous êtes installé en France en ce moment, je crois. Oui, tout à fait, oui. Je crois que vous avez été l'un des premiers médecins à avoir effectué une greffe rénale en Algérie, ou je me trompe? Exactement, j'ai fait partie de l'équipe qui a réalisé la première transplantation en Algérie en 1986, Ah, le 13 juin exactement. ah, très bien, très bien. Alors, docteur, dites-nous d'abord, moi j'aurais deux questions principales à vous poser. La première est, pourquoi y a-t-il si peu de donneurs en Algérie? Qu'est-ce qui fait que les gens ne donnent pas de rein, qu'il n'y ait pas de donneurs généralement?
Et ensuite, je vous poserai la deuxième question. Je vous laisse répondre à celle-ci. En fait, nous, quand on avait commencé le programme d'autres fondations rénales, on avait bien commencé avec le donneur vivant apparenté, c'est-à-dire que c'était vraiment les gens de la famille qui donnaient le rein. Ça pouvait être un frère, ça pouvait être une sœur, une mère. Et à l'époque où on avait commencé ce programme, ça marchait parfaitement bien, si bien que on recevait des patients de tous les pays. Donc, il y avait un engouement. C'était peut-être le début, mais en tous les cas, nous, on était confrontés au problème inverse qui existe peut-être maintenant, parce que j'avoue que n'étant pas sur place, je peux très mal évaluer la situation. Mais je disais qu'on était plutôt, nous, confrontés au problème qu'il y avait parfois, plusieurs donneurs pour un même, dans la famille, je veux dire, pour un même Oui, patient. oui. Ceci était dû aussi au fait qu'il y avait beaucoup de médiatisation de cette activité qui était à l'époque, et peut-être que ça, donc, ça a incité les gens à donner. Et là aussi, il y avait un autre problème, c'est qu'à l'époque, la prise en charge de l'essentiel chronique par les moyens de substitution qui sont toujours, donc, l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale, était vraiment très, très minime et très, très peu distribué sur tout le pays. En d'autres termes, c'est-à-dire lorsqu'on avait un malade qui arrivait au stade de l'insuffisance rénale terminale, qui nécessitait donc une prise en charge spécialisée, s'il avait la chance d'avoir un donneur, et je vous disais qu'on l'avait, il avait souvent, il était pratiquement sauvé, mais s'il devait être dialysé, il y avait des risques pour qu'il ne soit pas dialysé, donc mourir jeune, surtout s'il était en dehors de la capitale ou des grandes villes. Exact. Il y avait peut-être aussi ce facteur qui était très important, qui faisait que les gens étaient incités à donner. Alors, ce qui se passe peut-être maintenant, je dis bien peut-être, parce que n'étant pas sur place, c'est toujours très difficile à juger et à évaluer. Oui. Peut-être que maintenant, l'offre de soins, même s'il n'est pas d'une qualité excellente, comme le disent mes confrères qui sont toujours à Alger, fait que on peut absorber beaucoup de malades, on peut dialyser beaucoup de patients. Ceci peut-être fait que il y a moins d'engouement pour le don. Pour le don. Mais là, on est en train de parler uniquement du don vivant, du don Du don d'organe vivant, vivant. voilà, exactement, voilà. Il y a un autre problème qui se pose en Algérie jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est que normalement, un programme de transplantation rénale peut très bien démarrer comme nous on l'a fait donc avec le vivant, mais il faut absolument, absolument, dans tous les cas, développer le prélèvement à partir du rein de cadavre, de décédé, Et c'était la et c'est ici qu'un question, programme peut vivre et être pérennisé. c'était la question que je voulais vous poser. Allons-y. Pourquoi en Algérie il n'y a pas de don, je ne sais pas comment on appelle ça, post-mortem, ça veut dire de gens qui lèguent leurs organes Le prélèvement d'organes, après le prélèvement d'organes. Est-ce parce que c'est un problème religieux? Est-ce parce que c'est juste question de tradition? N'est-ce pas une véritable charité que de sauver. Je crois que quelqu'un qui est en phase de mort rénale, comme on dit, qui a besoin d'être dialysé, qui reçoit un rein, sa vie change. Il devient quelqu'un de normal qui peut travailler, qui peut voyager, qui peut avoir une vie de famille normale. Et donc, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les gens n'acceptent pas les prélèvements d'organes sur les morts, sur les gens décédés? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuffisance rénale chronique est un fardeau extrêmement lourd pour le patient lui-même d'abord, pour sa famille et pour la société. Que ça soit du point de vue donc affectif par rapport à la famille, et que ça soit du point de vue économique. Ce sont des soins qui sont extrêmement onéreux. Alors que ce qui est paradoxal, c'est que la transplantation rénale étant, après la première année, beaucoup moins cher que que les méthodes de suppléance de dialyse, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de programme national. Alors, ce qui fait que ça ralentit, c'est qu'il n'y a pas de politique nationale vis-à-vis de ça, tout simplement. Tous les pays, que ce soit les États-Unis, le Canada ou que ce soit les pays européens,
ou même nos pays, nos frères maghrébins en Tunisie et au Maroc, qui ont développé et qui ont eu donc la faculté politique de développer cet axe, travaillent très bien. Il faut absolument une volonté politique pour faire ça. Si vous avez des médecins qui sont spécialistes, qui connaissent très bien leur boulot, mais qui, pour faire un acte de cette nature, font des pieds et des mains pour le faire, c'est pas normal. Si c'est pas bien où il est, ça ne marche pas. Et la greffe à partir du rein des cadavres étant une spécialité très pointue, si toutes les conditions ne sont pas réunies à sa réussite, eh bien ça ne peut pas marcher. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que du point de vue religieux, il n'y a absolument aucune entrave. Au contraire, l'islam permet le prélèvement d'organes à condition que ça soit fait dans des conditions scientifiques normales et dans un but donc de sauver la vie. Oui. Ya Et ça, il y a un consensus international. Tous les pays musulmans, c'est la preuve, font la greffe à partir du rein de cadavre. Donc ça ne peut pas être invoqué comme étant un obstacle. Du point de vue socioculturel, ça ne peut pas l'être aussi. L'Algérien étant altruiste, et donc si on arrive par exemple à gérer, à prendre en charge un malade qui est dans une phase de coma, par exemple, qui est au stade 2 ou stade 3, et si on arrive à démontrer qu'on a offert le maximum de soins à ce patient et que malheureusement il va décéder, si on arrive à démontrer tout ça à la famille ou aux proches de ce patient, très souvent, la famille, c'est ce qui nous arrive ici en Europe, la famille, elle accepte. Mais si par contre, la prise en charge de ce malade qui vient d'avoir un accident malheureux, la famille voit que la prise en charge, elle est complètement négligée, comment vous voulez aller demander à cette famille de vous autoriser à prélever un organe? C'est Docteur inconcevable et c'est infaisable. Merci. Massaoud Ouziana, merci infiniment en espérant vous revoir bientôt sur cette chaîne. Nous allons accueillir à présent Zine Bazouz, universitaire. C'est une enseignante en mathématiques, mais elle s'intéresse beaucoup aux problèmes sociaux de ses compatriotes. On en a parlé au téléphone tout à l'heure. Sur Facebook, pardon. Elle était vraiment très éprouvée par ce qu'endurent les malades de ce type à Constantine. Zine Bazouz, merci de nous avoir rejoints. Allô, Zine. C'est moi qui vous remercie si Merci. jamais. Merci. Alors, Oui, Zine, je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? oui, vous me disiez tout à l'heure sur Facebook, plutôt par mail, vous m'aviez envoyé un mail où vous me racontiez des choses atroces sur ce qu'endurent les gens, particulièrement les enfants, m'aviez-vous dit? Au-delà du problème de néphrologie, d'insuffisance rénale et de toute autre maladie, il faut toujours rappeler qu'on est dans un pays où il n'y a pas de politique de santé. Il n'y a aucune responsabilité. Les responsables ne rendent compte devant personne. Les associations de malades, c'est à peine si elles arrivent à survivre avec la notion de charité et non pas avec la notion de législation et de droit. Et c'est très important de signaler que c'est comme ça que nous arrivons à nous en sortir. Entre guillemets, avec des malades chroniques, des malades lourds, des handicapés de toutes sortes. Hein. Pour revenir, puisque c'est le sujet aux insuffisants rénaux, je dis que là, ce que j'ai remarqué, et je ne dois pas être la seule, ce sont ces cliniques privées qui ne font que la dialyse, qui poussent un peu partout. Oui, effectivement. Et dont tout le monde se Voilà, plaint, semble-t-il. Alors. Qu'ils se plaignent ou qu'ils ne se plaignent pas de toutes les façons, oui, voilà, on est dans un pays où vous n'avez aucun recours, où les cliniques privées ne sont ni ne sont, sont comme par conditionnées. Quand il s'agit de dialyse, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Est-ce que les malades doivent y aller tout seuls, rentrer, vous savez ce que c'est que. Imaginez la souffrance d'un dialysé qui doit se débrouiller pour rentrer. Par ses moyens, de toutes les façons, ce n'est pas pris en charge par la caisse, ni par un autre relais de la mairie, ni par autre chose.
sans parler des soins qui doivent être administrés en même temps qu'une dialyse et qui sont souvent absents, sans parler de ce que je vous disais tout à l'heure, de régime alimentaire très strict et très coûteux surtout, qui doit accompagner un insuffisant rénal. Je remarque par prospection, en rappelant quand même au passage qu'il n'y a aucune étude épidémiologique sérieuse et indépendante dans ce pays. Je ne sais pas moi qui le dis, ce sont les ministres de l'Intérieur successifs qui répètent souvent que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de statistiques. Hein. Mais vous pourrez aller prospecter, les enfants insuffisants rénaux ont tous des problèmes béants de croissance. Parce que justement, les médicaments qui doivent accompagner la dialyse ne sont pas administrés. Les pédiatres me parlaient tout à l'heure d'érythropoïdes, qui n'est pas administrée, est-ce qu'elle est trop coûteuse, est-ce que ça n'intéresse pas, il n'y en a pas, on n'en sait rien. Zine Benzouz, merci beaucoup, en espérant vous revoir bientôt. Mohamed, l'Institut national du rein et des greffes d'organes qui doit ouvrir bientôt à Alger. Les autorités annoncent qu'il va suffire à tous les besoins nationaux. Est-ce possible? Cet institut est impliqué directement dans le domaine de la recherche, au même temps de la formation des médecins qui vont devenir spécialistes dans le domaine. Mais je ne pense pas que cet institut pourrait survenir à tous les besoins des ingénieurs. Oui, quelqu'un qui habite à Tamaras, ou quelqu'un qui Mais même le professeur Tahar Rayan l'a indiqué. Il a dit, nous sommes peut-être 60 ans en retard afin d'évoluer. Parce qu'il y a un problème, vous avez cité le domaine de l'hémodialyse. Quand le malade arrive au stade de l'hémodialyse, ça, là où il faut commencer à lui parler honnêtement, peut-être vous allez être greffé, peut-être vous allez avoir un donneur peut-être familial, comme on l'a indiqué le docteur, ou un donneur décédé. Donc, par rapport à cet institut, je ne pense pas qu'il peut subvenir à tous les besoins du pays, parce que 90%, comme l'a indiqué le professeur, des familles algériennes refusent de donner l'organe d'un décédé. Oui, pourquoi? Pourquoi ils refusent Moi, je pense, le docteur l'a indiqué, l'intervenant dernier l'a indiqué, c'est un problème à l'échelle politique. Il faut bien sensibiliser, il faut éduquer les gens dans ce domaine. Éduquer les gens, leur montrer que ce malade est en train de souffrir, ce malade à lui seul, parce que même si on arrive au stade des greffes, quand le patient à un organe étranger, donc il y a la possibilité de rejet. Donc le patient, il va être traité continuellement, en permanence. Donc il y a le problème argent, il y a le problème du patient lui-même, de la famille et en même temps de l'entourage. Donc ça, il faut traiter ça à l'échelle politique, à une certaine et échelle. Il faut mettre le paquet, les bien moyens. Sûr, il faut mettre le paquet. Oui. Et en même temps, il faut consulter les spécialistes dans le domaine. C'est eux qui savent qu'est-ce qui se passe en Algérie. Même le dernier intervenant a dit qu'il n'y a pas vraiment de statistiques parce que il y a beaucoup de travail qu'il faut faire, non seulement à l'échelle du malade, mais il faut penser grand portant. Pourquoi en Algérie, on ne fait pas une sensibilisation afin de pousser les gens à faire des tests? Parce que si on détecte ça à un stade initial et pas à un stade de retard, on peut éviter tout ça. On parle maintenant de prévention. Pourquoi il ne faut pas éduquer les gens à faire des tests, des bilans chaque 3 mois, chaque 6 mois? Parce que dans un bilan, on peut détecter les fonctions du rein. Et si on détecte suffisamment tôt, on peut corriger Bien sûr, parce qu'on a dit que la maladie du rein chronique ou l'insuffisance rénale chronique, c'est une maladie lente qui évolue progressivement. Donc pourquoi ne pas l'attaquer au stade de début? Et on peut arrêter le processus. On peut Bien ne pas sûr, devenir donc, malade. Nous, maintenant, la médecine en Europe ne s'intéresse pas à la médecine du grand malade, elle s'intéresse à la médecine du grand portant. Du grand portant. Ah, bien sûr. Pourquoi construire des hôpitaux et en même temps faire des centres de traitement, de greffe, tout ça? Il faut éduquer la population à être bien portante dans le domaine de la prévention. Oui, bien sûr.
C'est ça. Mohamed, dis-nous ce qu'est la vie du dialysé. Comment il se sent? Est-ce qu'il est fatigué tout le temps, comme on dit? Bien Est-ce sûr qu'il il a des nausées, comme on dit? Explique-nous un peu toute cette misère, cette douleur, cette souffrance du dialysé. Premièrement, l'hémodialyse, il se fait à l'hôpital. Donc, il doit se déplacer chaque semaine à l'hôpital, 2-3 fois. Oui. Et dépend, est-ce que ce patient, il vit dans une région qui n'est pas, comment dirais-je, qui n'est pas loin du centre, oui, où il va faire la dialyse. Oui. Il y a tous ces problèmes, des problèmes pour lui, des problèmes pour la famille, en même temps l'étape psychologique est déduite. Donc, il faut une équipe qui doit être là, donner... Mais qu'est-ce que c'est d'abord l'hémodialyse? Qu'est-ce que c'est l'hémodialyse? L'hémodialyse, on a un rein artificiel sur la machine, donc... Oui. On peut la voir ici, Salam, s'il te plaît. Oui. Voilà. Donc cette machine, elle fait le travail du rein, la fonction du rein. Donc le sang, il est filtré entre la machine et le sang du malade. Et se fait pendant 4 heures, 2-3 fois par semaine. 2-3 fois par semaine, 4 heures. Oui, ça dépend du stade du malade. Et en même temps, la dialyse péritonéale, elle se fait à la maison. Donc, qu'est-ce que c'est la dialyse péritonéale? La dialyse péritonéale, c'est une dialyse qui nécessite une membrane physiologique. La membrane physiologique, c'est le péritoine. Le péritoine, il recouvre les intestins de l'organisme. Oui. C'est une membrane physiologique. Donc, les échanges, ils se font entre le sang des intestins et en même temps le liquide externe qui est contenu dans ce sachet. Et après, les déchets vont être porter avec soi tout le temps. À la maison, bien sûr. D'autres déchets vont être éliminés dans une autre pochette. Donc, c'est du travail. C'est très pénible. Il faut éduquer aussi la famille parce qu'il y a les problèmes de l'infection. Oui. Il faut se laver bien les mains. Il faut bien désinfecter la région où on a fait le cathéter. Il y a beaucoup de travail. On nous dit qu'après l'hémodialyse, le patient est généralement très fatigué. Il se sent très, très fatigué, bien sûr. Et on le lâche comme ça dans la nature. Il doit rentrer tout seul. Il n'y a pas de prise en charge ambulance. Les gens qui n'ont pas la possibilité de se faire accompagner par leurs parents, ils doivent prendre le bus ou aller à pied. Ils se débrouillent. Non. Si on veut traiter tous ces problèmes, c'est pas seulement le problème de l'insuffisance rénale chronique, parce que l'insuffisance rénale chronique aussi, il est lié au diabète et il est lié à l'hypertension artérielle. On dit que les deux causes majeures, c'est l'hypertension artérielle et en même temps le diabète. Donc, les gens spécialistes dans le domaine en Algérie, et surtout à l'échelle politique, il faut réunir les spécialistes dans le domaine de la diabétologie, dans le domaine cardiologie, hypertension artérielle, et en même temps, rénale. C'est une équipe qui doit décider d'une plateforme de travail et sensibiliser les gens. Et ça vient de l'échelle politique parce qu'il faut beaucoup d'argent. Merci Mohamed. Cette émission donc qui était consacrée aux insuffisants rénaux, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. J'espère que les autorités de ce pays se pencheront sur ce problème ô combien douloureux. Merci beaucoup. Salam alaikum. Azul.